Quelle nouvelle! L'actualité vue par un entrepreneur. Où tu te vois, toi, François, dans 5 ans? Moi, dans ma tête, la seule chose qui se passait, là, c'était n'importe où, sauf ici. Bébé, l'autre servait ça, pour favor! Pour un petit verre de vin. Il est bon! Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Pourquoi c'est bon? Je dirais bien buvons, mais rions! Il fait froid, il fait pas beau. Mais quand l'hiver est chaud, je remets du sacré mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi! Pas pour me geler les pieds. Vous êtes. Condo! Fixer ses objectifs. C'est important de fixer ses objectifs. J'ai 5 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Blut! L'année passée, j'ai reçu un tricycle. Maman, à quelle heure c'est prêt? Es-tu prêt? Qu'est-ce que tu fais, maman? Juste un tout petit peu de moutarde. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça sert d'agent liant. L'agent Bilba. Oh boy. Comment il s'appelait? C'est ton humour de la journée. William Bumbray. Je suis tout nu dans le lit quand je vous réponds à 3h15 du matin. Mais c'est pas grave, je suis tellement fatigué quand je me couche que... Bloopers! Je suis tellement fatigué quand je me touche. Lambert Coyne. J'ai tenu extraterrestre, je suis comme vous. Je trouve ça weird un peu, tu sais. Pour lui faire faire des bébés, il saute dessus. C'est bizarre, hein? Je savais pas moi que c'était ça. Un coup de vent. Puis là, les... hein? Faire faire des bébés souffler dessus, puis les graines revolent partout. Ça sort comme ça. Faites l'image que vous voulez. Et tu vas me bander les yeux comme il faut? Ben oui. On fait ça régulièrement. C'est quoi ma note? J'étais-tu bon, maman? Je suis bon, hein? Ben, t'es bonne. L'émoticône. Ben oui, on utilise ça beaucoup maintenant, hein? Tu sais, comme quand tu dis à ta blonde que tu... auquel te dit... le souper est prêt, tu sais, avec une aubergine, une pêche, puis... puis de la pluie. excusez-moi, je mets trop tôt. Ben oui, le smiley face, 39 ans. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, ils font l'équivalent de 2 kilos de saucisses par tête de pipe. Là, je vous vois, là, okay, parce que ça vient de me passer dans la tête, hein? Des saucisses avec une tête de pipe. Mais... dans la maison, à un moment donné, Kim me demande, elle ne savait pas que j'avais des livres, elle dit « Ah, tu devrais écrire des livres. » Elle me trouvait brillant. C'est au début de l'aventure. Vous savez comment que ça se passe, le cerveau d'un TDAH.